Hey, coucou tout le monde! Coucou à YouTube, c'est Boîte à Meux, on se retrouve aujourd'hui pour un récap sur Holycube. Hop, petit récap sur l'avancement de Murktown. Hop, pardon, je mets la mauvaise scène à chaque fois. À chaque fois, je mets la mauvaise scène. Non, pas à chaque fois. voilà, je vous montre l'avancée du coup de la partie du port. Port qui n'avait pas du tout été fait, pas du tout planifié. Il y avait eu 2-3 traits de définis, mais vite fait. Et du coup, cette partie-là a été créée en stream, ça va être semaine dernière. Donc voilà, on a quelques tracés ici pour des chemins de fer. Donc on pourra mettre des wagons qui permettra de déplacer des marchandises depuis un hangar qui se trouve ici à jusqu'en face, jusqu'à l'usine qui se trouve ici, donc la briqueterie. Donc là, l'idée, ça va être de démonter quelques parties ici et de refaire du coup une voie de chemin de fer pour récupérer des marchandises. Alors, je sais pas si je vais aller jusqu'ici, jusqu'à ce bout-là, pour récupérer, pour charger ou décharger des marchandises. Mais l'idée des voies ferrées qui poursuivent toute cette colonne, toute cette galerie, ça me plaît beaucoup. Il y aura encore plein de trucs à faire ici, hein. Faut que je finisse sûrement hors stream. Je vais m'amuser à finir l'arche ici et voir pour refaire un petit tunnel un peu plus fin. Du coup, bah, je pense que je vais suivre la taille ici, enfin, une symétrie. Donc reprendre une partie ici à un décalé, limite mettre un quai un peu plus haut. Éventuellement, je pourrais voir pour tricher, faire un quai un peu dans cet esprit-là. Quai à un bloc de plus, voire deux blocs de plus, je sais pas. Mais je vais laisser quand même la place pour un chemin de voie ferrée. Sur le côté, je mettrai, je sais pas, quelques ateliers, quelques éléments décoratifs du stockage. Voilà, peut-être quelques maisonnettes en bois sous le pont, ça devrait être sympa. Mettre quelques braseros aussi, faire comme un bidonville, je pense, dessous, ça peut être sympa pour les ouvriers. Bah, des petites cabanes pour qu'ils puissent se reposer. Voilà, mais sinon ici je vais mettre pareil, je vais remettre plein de préaux avec des marchandises dessous, quelque chose d'assez chargé. Là sur les espaces où tu as de l'arrondi ici, je mettrai des grues, voilà. Et le hangar du coup qui se trouvera là après des marchandises, tout ça. Peut-être remettre un bateau ici, un bateau ou deux, à voir. Ce bateau-là, je sais pas si je vais le garder, je sais pas si je le conserve, je pensais ne pas le conserver et le mettre éventuellement dans l'autre sens si jamais je le conserve pas, le prendre et le retourner. À voir, je m'avance pas trop, mais en tout cas, même sans bateau, ça rend bien. Ce que je me suis occupé de faire hier, donc hier j'étais en stream, on était le 25, je savais pas trop quoi faire, et du coup, je me dis bah pourquoi pas stream, et du coup, on a fait un peu de terraforming, c'était pas grand chose en soi. Il y a toute une partie ici qui devait être retirée. On avait tout un bout de terrain qui s'avançait ici. Et du coup, j'ai dû raser toute cette partie et refaire les finitions ici avec un bout de terraforming. Il manque encore un petit truc ici, mais je voulais voir pour éventuellement continuer les quais ici. Il y a de ça très très longtemps déjà. Donc il y aura sûrement des petites modifications. Peut-être que je vais devoir retailler cette zone-là. Je ne sais pas encore. Parce que là, je vois qu'il y a un escalier. Je ne sais plus. Cette zone-là est encore en stand-by, hein. C'est pas une zone que j'ai envie de m'occuper, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était qu'il fallait que je coupe ce terrain. Et du coup, c'est une chose faite. Ce matin, hors stream, je me suis occupé de définir ici de nouvelles structures, de nouveaux bâtiments. Ceux-là, je sais pas s'ils étaient faits hier soir, il me semble, hier pendant le stream, pardon. Mais voilà, je me suis occupé de redéfinir ici toute une route. Donc j'ai défini mes premières parties pour redéfinir des routes. Donc là, on aura une route qui permettra de redescendre et d'arriver ici sur cette partie. Et il y aura du coup d'autres routes, une route qui passera dans le bâtiment ici. Et là, j'ai commencé à redéfinir quelques emplacements pour des petits bâtiments, des petits quartiers. Alors je pense que je vais faire des petits pâtés de maison comme ça. Donc par l'autre 4, 5 éventuellement. Donc là, j'en ai un petit là. J'en remettrai un, je pense, à côté ici. Et après, même s'il y a des routes qui vont se. Même s'il y a des routes qui se créent, c'est pas gênant. Si je recrée des routes, des toutes petites routes pour redescendre, c'est pas très grave. Je voulais faire quelque chose d'assez ouvert finalement. J'ai quand même refermé ici sur le côté avec un petit muret. Donc il y aura un petit muret à côté des quatre maisons. Cette maison-là va être différente parce que du coup elle va définir une entrée. Mais voilà, il y aura d'autres pâtés de maisons comme ça, tout du long.
Donc même de l'autre côté. Après, concernant le restant de l'autre côté, je sais pas, c'est pas encore défini. Mais ce qui est sûr, donc là, du coup, je sais pas à quand j'arrête la ville. Dépendant de, je vais voir en fait. Si la zone est assez étoffée, je jugerais nécessaire de refermer peut-être avec une muraille. Mais je trouverai un moyen de couper ce quartier. J'irai pas beaucoup plus loin. Si jamais je vais plus loin, je vais pas beaucoup plus loin. Je voulais pas trop m'étendre parce que j'ai aussi une partie haute à faire. Hop. Tac. Une partie en haut à refaire. Hals m'avait donné un coup de main pour ici casser. Hop. On se trouve à côté du phare. Hop. Il m'avait donné un coup de main semaine dernière du coup pour casser toute cette partie. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'était ici du coup rajouter d'autres bâtiments un peu dans le même esprit qu'on va. Peut-être des quartiers un peu plus ouvriers, un peu plus dans cet esprit-là, un peu plus pauvre plutôt. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une courbe ici, d'avoir une courbe qui revient au niveau des, au niveau du beacon, avec une voie ferrée. Et en fait, l'idée, c'était de rajouter ici une gare. Parce qu'on a évoqué l'idée de relier nos projets en fait avec une voie ferrée. Donc il y aura une voie ferrée qui viendra, je pense que je passerai peut-être dans la forêt ici. Ça allongera peut-être le côté, c'est pas dit, hein, c'est pas certain. Mais il dit ça va te faire une boucle pour rejoindre notre gare. Là il y a du boulot, mais ce qui est intéressant en tout cas c'est d'avoir une liaison entre chaque projet. Et puis moi je voulais occuper cet espace ici parce que je le trouvais quand même assez intéressant ce plateau. Donc là, il y aura moyen que je vienne casser ou que Alps vienne casser une partie ici du terrain pour accueillir du coup un grand bâtiment avec plein d'inspirations disponibles. Je pensais à la gare de Budapest, entre autres. Après, il y aura d'autres inspirations. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qui vous passe par la tête. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Hop, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, on est à l'heure où je vous parle, on est le 26. Merci à tous, bonne fête de fin d'année, donc bon réveillon du nouvel an et bonne année si on ne se revoit pas avant. Merci à tous, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à voir mes différents réseaux sociaux et notamment mon Twitch, twitch.tv/boitme, là où je stream la plupart du temps. Cette semaine je risque de restream probablement une fois ou deux fois peut-être, je sais pas, mes vacances ont un peu changé de programme. Donc voilà, je risque de stream, donc n'hésitez pas à être en alerte et à regarder ce planning. Bah regardez de temps en temps, voir si je le suis pas. Et dans tous les cas, les notifications apparaissent sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Merci à tous, discord.boitameux.fr. C'était Boitameux. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. C'était Boitameux. Ciao, ciao. La bise. Et bonne année. Et tout ça.